Le prince Harry et Meghan Markle ont été invités au couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. Le Sussex n'ont pas encore confirmé qu'il allait venir. Cinq questions gravitent autour du duc et de la duchesse de Sussex concernant cet événement. Le prince Harry et Meghan Markle ont bien reçu l'invitation pour le couronnement du roi Charles III le 6 mai 2023. D'ailleurs, les sources du Daily Mail ont confirmé que les Sussex étaient déjà inclus dans les plans de table. Cependant, même si le jour arrive à grands pas, cinq questions sont encore en suspens concernant les Sussex. Tout d'abord, quand arriveront-ils ? Les événements liés au couronnement commenceront le 6 mai, mais continueront le 7 et le 8 mai. Si le duc et la duchesse de Sussex décident d'assister au couronnement, tous leurs projets et itinéraires seront encadrés. Bien entendu, la deuxième question se base sur leur venue. Est-ce qu'ils viendront vraiment ? Un porte-parole des Sussex a bien confirmé que le couple avait reçu l'invitation électronique du palais. Seulement, ils n'ont pas encore confirmé le fait qu'il allait venir. D'ailleurs, l'anniversaire du petit Archie tombe également le 6 mai. Ingrid Sword, commentatrice royale, a affirmé que le prince Harry sera tout de même présent. Seulement, il n'est pas certain que Meghan Markle sera à ses côtés. La question suivante est, où est-ce qu'ils séjourneront ? Rappelons que la semaine dernière, les Sussex ont été expulsés de Frogmore Cottage. Ils n'ont donc plus d'endroit à eux au Royaume-Uni. Harry et Meghan, quels événements ? Avec qui s'asseoir ? Quels sont les événements auxquels le duc et la duchesse de Sussex assisteront ? Il est clair que le prince Harry et Meghan Markle n'assisteront pas à tous les événements. Lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, les Sussex ont participé à une partie des festivités. Seulement, ils n'ont pas participé à tous les événements. On s'attend à ce que ce soit également le cas lors du couronnement du roi Charles III. Outre ces événements, les personnes avec qui les Sussex seront assis est également une question importante. Lors des funérailles de la reine Elisabeth II, les parents d'Archie et Lilibet étaient assis derrière le roi Charles III et la reine consort. Pourtant, lors du jubilé de la reine, ils étaient assis à côté du prince William et de Kate Middleton.